Donc aujourd'hui, on se retrouve avec mamie dans son le chauffeur du taxi qui porte son nom, le taxi de mamie. Mm-hmm. Donc, vous appelez bon, toujours mamie. Qu'est-ce qu'ils font là Et aujourd'hui, on se retrouve dans une grande ville, Évreux. Et aujourd'hui, on va se balader un petit peu dans cette ville bordélique qui est Évreux, capitale de l'Eure, voilà, bien Normandie. Et aujourd'hui, bah, je fais ma journée d'appel. Donc on va aller faire coucou aux militaires. Et puis voilà quoi. Du coup bah voilà, je me suis dit tiens, alors, l'épisode 9 est la suite directe du 8. Hein. Donc si vous avez pas vu le 8, vous comprendrez peut-être pas celle-là, quoique si. ESSI formation, tiens, je vais aller là-bas. Aujourd'hui on est à Évreux et je me suis dit tiens, pour y aller, plutôt qu'y aller à pied ou prendre une voiture random ou un car, on s'est dit on va prendre le meilleur taxi de France, le taxi de mamie. Avec son chauffeur du même nom, mamie en l'occurrence. À 6h du mat, elle est quand même capable de conduire de façon très énergique, elle a la pêche. Et j'aime bien tout ce qu'elle me dit, ma mère. Confidence, attention, je balance. Oui, attention. Elle me dit souvent, à 6h du matin, mamie elle doit dormir, elle doit être fatiguée, je sais pas, elle est vieille. Faut pas s'écouter, faut. Et voilà, maman pris en flag, boum, boum. Faut pas s'écouter, faut bouger, hein. Qui est toujours assis forcément, après il faut bouger, hein, faut pas. Bah, t'as les pieds sur les pédales. La terre, elle est là. C'est ça qu'il faut faire. Tant que tu ne te confonds pas les pédales. Ouais, il est bon, lui, là. C'est quand même un. Voilà, donc nous sommes dans une ville, donc on a. Je suis tombé mon téléphone, accident de la route. Non, c'est bon, on a réparé la voiture. Mais du coup, ouais, je disais. Seulement, il n'y a pas un qui va me laisser passer, ça c'est sûr. On est dans Évreux, on a la lumière. Nouveau laser game. Waouh, incroyable, c'est nul. Enfin, du coup. Alors la gare, c'est où lui, là. Le feu rouge. Allez, boum, on s'est fait doubler. Ouais, mais non, là. Du coup, messieurs, dames, c'est l'heure. C'est l'heure du questionnaire aujourd'hui, messieurs, dames. Nous sommes à Évreux, nous sommes dans une grande ville. Alors, madame Annick, votre dieu, mamie. Elle a beaucoup de surnoms, décidément. Que pensez-vous des grandes villes? Oh là, j'aime pas trop, moi. J'aime bien à pied. Parce que nous, on habite en campagne, nous. Hein, donc, c'est saoulant. T'es saoulant? Ouais. Peut-être dans une grande ville comme ça. Il y a trop de monde. Oui, j'espère qu'il va se dépêcher parce que je vais le griller. Hein. La voiture, là. Feu vert. Allez, non, je gueule. Il y a une pub de Leclerc. Il n'y a même pas de Leclerc ici. De ce que je sache. Du coup, bah, les gens, abonnez-vous. Ah, tiens, je vais peut-être zoomer. Bravo. Salut. Mamie, ça va qui? N'empêche, on est déjà à l'épisode 9 du taxi de mamie, vous vous rendez compte? C'est dingue. Ouais. Voilà, donc, n'empêche, Évreux, c'est quand même une sacrée ville. Voilà. Voilà. Il est 7h30 du matin. Je dois arriver chez les militaires pour ma journée d'appel dans une demi-heure. Et la gare, je sais pas où elle est. Elle est tout là-haut, la côte là. Ok, on doit monter, on doit traverser un peu une partie de la ville quoi. Ok, la zone. Mais vrai, mieux que. Peut-être même mieux que. Mieux que moi déjà. C'est tout petit. Voilà. Alors, le gasoil, rigolons. 1,73. L'argent. Ah, feu rouge là-bas. Tout le monde va être bloqué. Ouais. Par exemple, moi, cette queue. Ça, c'est tous les gamins militaires. Ouais. Ça se trouve, les voitures devant nous, c'est les militaires. Il y a un taxi devant nous. Dans le taxi, tu sais, il y a un militaire. Je suis à la bourre. J'ai pas pris mon camion. J'ai oublié de prendre mon temps puis pour travailler. Parce que ça serait un bazar, pas possible. Ouais. Voilà. Il faut que je vienne te rechercher à quelle heure exact? Bah 11h15, donc midi moins le quart. Non, pas midi. Si. Je vais demander au général. Bah vas-y, hein. Parce mais que à ce moment-là, coup... si. Bon, mais moi je vais chez Christelle après, parce que je vais pas faire l'aller et venue. Hein. Et je vais te récupérer. Tant que tu ne me vois pas arriver, tu restes dans la gare, hein, surtout. Tu vas passer la route. Hein. Ouais. Tu rentres dans la gare. Je vais écraser. Mais je vais être à l'heure, t'en fais pas. Ouais.
Je vais demander à un monsieur là. Franchement, la vidéo niveau éclairage, on est système D. On est éclairé par les phares d'une voiture en face et encore c'est rouge. Hein. Donc le rouge pour nous ou le vert de côté? Ah, c'est rouge, ouais, c'est pour, rouge nous. Pour nous. Enfin là, techniquement, ils avancent alors que c'est rouge, mais ils avancent quand même. Non, mais eux, ils sont baisés. It's bizarre. Bref. Bah, du coup, c'est vert. Donc, on avance. Ou on va tout droit ou on tourne à droite? On va là. Tout droit. On va tout droit? Je connais pas, moi. Ouais, mais attends, tant que ça se décide là, tu sais, tant que ça fasse tilt là-haut. Tant que ça se mette à avancer. Ouais. On n'est pas réveillé. Asphalte. Vert, 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 super. Voilà. Et la gare, elle est là. Ici, à Brion. Ah, il y a des jeunes, ils vont au lycée. Ouais. Alors, attends. En tout cas, mamie, ça va jusqu'à présent, malgré le fait qu'on soit dans une grande ville. Tu ne t'es pas trompé de route hein? Normalement, non. Normalement, non. Voilà, quoi. Oh, pas de dingue. Home tour d'Evreux, hein. Voilà quoi. Salut la zone, ça va t'y. C'est là qu'on rentre, non? Ah bah voilà, la gare elle est là. C'est là qu'on rentre. Ah ouais, on va se garer devant. Ah bah il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens. Vincent, tu peux tourner? Si oui, tu peux tourner. Même si t'as pas le droit, on s'en fout, on tourne, on sait pas qu'on y arrive. Ah oui, c'est interdit. Il y a un sens interdit, bah on s'en fout, on y va quand même. Voilà, donc c'était une petite route rapide. Allez voir l'épisode 8, hein, il est plus marrant. Histoire de rigoler, parce que c'est la suite. Non, je vais le mettre là. Ouais, bah mets-toi où tu veux. Hein. Bon, ami, qu'est-ce que t'as à dire pour c'est dire. Mais non. Ah, ouais. Ah, si. Tiens. Donc là, tous ceux qui sont là, ils viennent avec nous avec les militaires. C'était tranquille. Je me mets là. Ouais. Après, ami, tu sais, c'est dans 20 minutes qu'on doit y aller. Hein. Allez, c'est réservé là. C'est marqué. Payant. Oh là là. Bon, pour y rester 20 minutes, t'auras pas besoin de payer. Non, mais je vais m'en faire demi-tour et je vais me mettre ailleurs. Personne, dis-moi, explique-moi, c'est du monde. Il n'y a personne. Que... T'es sûr, hein? Attends, je regarde. Sûr. Il y a quelqu'un qui arrive? Non, il va ailleurs. C'est peut-être payant partout, hein? Ouais, c'est payant partout. Regarde, là, c'est payant. Ah, peut-être là, c'est pas payant. Bon, vas-y, de toute façon, dans tous les cas. De toute façon, tu veux payer quoi? Tu restes dans la voiture, oh, toi, donc. Non, non, c'est des payants. Ouais, c'est payant partout, hein. Oh, bon, on exagère, hein. Non, ouais, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on est le matin, bon, et les flics sont pas là tout le temps. Je peux me mettre sur la route ailleurs? Non, je peux pas. D'abord, il y a des bus là-bas. Ouais, mais tu vas pas te mettre à leur place. Oui, c'est le bus qui va nous prendre tout à l'heure à 8h15. Regarde, il est 7h40, c'est dans 20 minutes que je dois descendre. Bon, dis donc, qu'il est. Bon, bah, du coup, à part ça. Alors, je vais faire un petit tour pour voir si c'est bien. On va faire un petit tour. Bah, attends, sinon, attends, je... faut mettre le masque. Payer, faut peut-être mettre le masque avant. Hein, hein Vincent, c'est honteux de faire payer. La place de parking? Ouais. Bah, oui. Après, on l'a ça où? On va en pleuver parce qu'il faut monter à le tour. Hein. FP2. Bon ben voilà, nous sommes arrivés à la gare, on va aller faire coucou aux militaires dans 20 minutes. Enfin vous serez pas là pour le voir mais voilà. En attendant, ben j'ai juste envie de vous dire on va dehors vite fait avec la grand-mère, on va rigoler. Puis on va arrêter cette vidéo là. Voilà. Et je vous promets les prochains épisodes du taxi de mamie ce sera plus passionnant parce que on va repartir pour du forum LOL. Enfin normalement. C'est ce que j'ai prévu après tout. Ah, il y a du vent. Attention. Salut. Regardez la différence de taille. Regardez. Et mamie, regarde. Attends, arrête-toi deux secondes. Tu vas voir un truc, regarde. La différence de taille. Waouh. Oh là là. La différence de taille qui est incroyable. On va chercher le ticket là. Ouais. Oui, ouais, c'est le poteau qui est là-bas, on va chercher le ticket. Toi, tu penses pas, t'as mis ta capuche. On va aller voir les filles. Oh, j'ai pas besoin de mettre la capuche. Peut-être que si. Le gendarme arrive, on va chercher un ticket. Ouais.
rester dans la boîte de bain déjà. On va aller faire coco. Bon bah la voiture est fermée. Alors, du coup, alors déjà que tu as du mal à gérer un micro-ondes et un four, est-ce que tu sauras gérer un poteau de parking? Regarde où c'est qu'on peut se mettre, c'est payant partout. Voilà. On va rester dans la voiture, si le jardin arrive, on descend avec le four. Ouais. C'est fermé. Ça décoiffe, attention. C'est fermé. Il y en a beaucoup qui ont pas de ticket. Ouais. Bon, s'ils arrivent, on descend, on prend le porte-monnaie. Ouais. Ils sont pas censés savoir qu'on est. Du moment qu'on est dedans, ils vont prendre une centaine de papier. Ouais. Bah écoutez, voilà. Est-ce que vous avez un message à adresser à la population entière? Quand ils vont arriver là, les bus? Ouais. Tu. Quand les bus vont arriver, tu vas descendre, tu vas en y aller. Oui. Bon, je vais regarder si tu ne montes pas de bord. Ouais. Et puis. Déjà, il faut que je puisse y aller et que je sache. Attends, mais tous les jeunes qu'il y a dans la gare, parce que. Il y a au moins une trentaine de jeunes dans la gare. Est-ce qu'ils viennent pour faire autre chose ou ils viennent pour ce que je fais moi aussi? Si on allait dans la gare. De toute façon, on va voir les bus arriver. Hein. Dans tous les cas. Et puis, c'est des bus militaires? Non, c'est des bus normaux. Ah, c'est des bus normaux, ah oui. Bah, il y en a un là-bas, c'est peut-être pour celui-là. Tu veux qu'on aille faire un tour? Oh, pourquoi faire? Quelle heure ils arrivent, qu'ils ont? À 8h. Ouais, okay. Je tremble. Tu mets ton masque, ça te fait descendre. J'ai un masque. T'as froid? Non, c'est normal, je viens de rentrer. Là, pour l'instant, on peut encore rester, c'est pas encore l'heure. Puis t'as pas grand-chose de chaud, hein. Il est 8h moins le quart. 8h moins le quart, c'est 8h. Ouais. Il y a un quart d'heure trop tôt. On est arrivé 20 minutes, trop tôt. Parce que le temps est passé depuis qu'on est sorti. Non, mais j'avais tellement peur d'être bloqué. C'est ça le problème. Et ouais, t'as vu. Tu sais, vaut mieux être en avance. Non, ça va. Non, il est bien. Pour ceux qui se demandent. Ah non. Elle s'est allumée toute seule par magie. C'est parce que ta portière n'a pas fermé. En fait, parce qu'il y a un détecteur de caméra et puis voilà. Là, ta portière, ça l'est fermée. Non, elle n'est pas fermée. Mais ferme-la, ça va, ça va. Bah, du coup, on verra plus rien. T'as la lumière avec ton portable. Et oui. Ben oui, messieurs, dames. Voilà. Voilà. Sinon, ça va, vous l'avez? Ça va rien des valises. Ils vont aller travailler. Hein. Oh là là, ils ont du courage, ces gens-là. Ouais. La grande gare d'Evreux. Ah ouais, on la voit. Oh, dis, regardez-moi ça un peu. C'est Oh, c'est pour autre chose, je sais pas. Normalement, il devrait être kaki. Je sais pas du tout. Non. Non, mais il n'y a pas de bus militaire. Hein. Ah, bah alors c'est peut-être là-bas, non? Regardez quand même entre deux. À moins qu'il en mette un, je sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Non, c'est... Attends, c'est marqué là-haut, c'est marqué quoi? Il n'y a rien écrit, c'est de la pub. Ah, c'est la pub. Transporteur sans voyageur. Ah oui, c'est pas remettre les lignes. D'accord. Bon, écoute, hein, tant qu'on est là, voilà. Il y a, je prends mon sac, je... Donc. Semblant d'aller en chercher un. Alors du coup, tiens, c'est vrai qu'on vous a déjà posé la question dans de précédents épisodes, je ne sais plus lesquels. On t'avait demandé ce que tu pensais des pompiers, du SAMU et des flics. Maintenant, que pensez-vous des militaires? Mais il en faut. Il en faut? Ah ouais. Ah ouais? Il y en a malheureusement, il y en a qui se font tuer. La preuve, il y a encore un petit jeune qui s'est fait tuer la semaine dernière. Ouais. Oh là, les malheureux parents. Mais c'est une question existentielle. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, les militaires? Ils mettent de l'ordre. Ils mettent de l'ordre, c'est-à-dire? Parce qu'à la base, t'as la police pour faire ça en France, mais les militaires, c'est outre France. Les militaires, c'est en cas de conflit entre les pays. La preuve, ils les envoient dans l'étranger, ils sont tués les pauvres. T'imagines, un jour, ah merde, les Allemands sont de retour. Ah, bah tiens. Bah non, c'est de la vieille époque. Maintenant, vieux, tout ça. Maintenant on n'est pas avec les Allemands, vous faut savez. Faut avancer dans la vie. Les Allemands, on s'amuse avec. C'est les potes. Non, mais... Les potos, waouh.
Les poteaux, c'est la fin de cette vidéo. C'est pour ça, il faut avoir un bon président de la République qui négocie beaucoup de choses et puis qui n'a pas de problème. Comme qui, par exemple? À part toi, je veux dire, hein, bien évidemment. Hein. C'est entre les pays, tu sais, c'est pas toujours facile. Ouais. Il était dans la gare là-bas, mais. Coucou. On peut y aller à la gare, dans la gare. On verra les bus arriver. Oui, mais je pense que tous les petits jeunes là ils vont aller avec moi. Ça va être compliqué, imagine, je rentre dans le car, il n'y aura plus de place encore, je vais me dire putain, où est-ce que je vais me mettre. Non, mais dès qu'il va arriver, dès qu'on va voir. Là-bas, il y a des bus là-bas, c'est quoi ça? Très probablement pour nous. Si on allait voir un petit peu ça. Bon, tu veux voir quoi hein? Ben voir si c'est ça ou pas. C'est un car. Hein. Tu veux faire quoi? Tu veux rentrer et dire au chauffeur, c'est quoi ce car? C'est pour. Non, mais logiquement, ils doivent mettre. Il doit y avoir un panneau devant. C'est à quelle heure qu'il passe le quart, t'as dit 8h, il y a les militaires qui viennent nous faire coucou. Ah ben on verra les militaires arriver. Tu viens avec moi, tu leur demandes, c'est ce que tu me disais, tu leur demandes quand est-ce que tu dois revenir. Ouais, bah, tiens. Mais tu vas faire quoi en attendant 11h? Ah ben je vais chez Christelle. Parce qu'en attendant 11h30, tu vas faire quoi? Je vais chez Christelle. T'es chez Christelle jusqu'à 11h30? Ouais, après je reviens te chercher à 11h30. Tu vas faire wesh Christelle, ça va ou quoi? Un peu de remonter chez moi. Ah ben il est 7h30. Ouais, je m'en fous. Et fort, ma petite. Je préfère aller chez Christelle, je te reprends là quand ils vont me dire. Et voilà. Enfin, quand je vais revenir, je vais peut-être pas avoir place où me garer, mais reste. Quand tu vas revenir, que tu descends du bus, si je suis pas là. Moi, si je vois le bus, je vais descendre, mais si je suis pas là, tu te rentres dans la gare, tu restes pas dehors. Tu rentres dans la gare, j'irai te chercher dans la gare au cas où. Mais tu me téléphones, d'accord? Ouais, c'est pas encore l'heure. Déjà, je vais leur demander vers quelle heure le retour, à peu près. Bon, je reviens dans la gare, moi, parce que si je suis pas tiqué, c'est ça. On les voit arriver, c'est, ils vont marcher de là-bas jusqu'à ici, ils vont être à pied. Oh merde. Ben on descend. Je sais pas du tout quelle vision je peux donner des militaires. On descend, on va chercher un ticket. On va chercher un ticket. Ticket pour se garer quand même, c'est. Ben, mieux un ticket que d'avoir un PV, hein. C'est pas donné. Hein. C'est quoi un PV? C'est un point de vente? Ouais, un point de vente. Non merde, ça dans le commerce. Non, c'est pas le même PV. Font payer les gens, non, mais attends, c'est toute la journée là et c'est des cartes à l'année. Hein, tous ceux qui doivent se mettre. PV, c'est payer j'ai les envie vacances. D'aller voir les bus là-bas, qui c'est tout ça. Si tu restes là, ouais, okay. Ça, je vais aller voir les bus. Comme ça, si quelqu'un vient, tu dis mamie, elle vient d'arriver, elle est partie chercher un ticket. Ouais, mamie, elle est partie chercher un ticket. Un pour payer, c'est là, payer ses vacances. Un PV, je mets la clé là, comme ça. On voit tout ce que tu fais, mon Dieu. C'est incroyable tout ça. Au revoir. Voilà. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Voilà. C'est très intéressant. Du coup, messieurs, dames, on a la grand-mère qui est là-bas. Je sais pas si on la voit. Zoomé, mais bon, elle est petite la grand-mère, hein, et il faut la pardonner, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais cassez-vous les voitures là, on voit plus la grand-mère. Putain, c'est pas possible ça, allez là. Ah, hein. La grand-mère. Bon, mamie, je vois le ton taxi, hein, je sais pas si ça te dérange. Hop, on prend la clé, c'est parti. Non, je rigole. Voilà. En vrai. Je pourrais prendre son taxi, tu vois, j'ai la clé, hein, elle me l'a donné. Hop. Et là, bah, on se casse. Hein. Ouais. Je déconne. On va arrêter de faire le fou. Ah, ça allume la lumière. On a un gain. Mais vous voyez, donc je peux facilement allumer la caisse et me barrer avec. Tiens, on va y faire la main. Bah ouais, ma gueule. Ouais. Il y a encore des cartes qui arrivent. Il y a des klaxons chelous, on se croirait à Bernay. On est heureux. Alors j'ai perdu de vue la grand-mère par contre. Putain, elle a disparu. Elle est partie voir les cars là-bas au fond pour voir si c'est pour nous. Elle le fait vraiment en plus. Voilà. À part ça, j'espère que vous allez bien. On est au taxi de mamie. Sans mamie, hein, là pour le coup. Et
C'est bizarre, parce que la phrase que je veux dire est bizarre, mais j'ai mal à la bouche. Oui. Voilà. Du coup, j'espère que cette information est un minimum intéressante. Non. Alors, du coup, alors aujourd'hui, grosse journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire je sais pas quoi avec les militaires. Ensuite, on va refaire la route pour le taxi de Mamie 10. Lol. Et on va rentrer chez WAM et puis chez mamie et puis après je retourne au lycée l'après-midi soit à l'autre bout du département par rapport à là où on est maintenant. Bonne chance moi-même. Voilà. Beaucoup de route aujourd'hui. Parce que ce sera avec ma maman à la fin de la journée. Tiens. Parce que voilà. Parce que c'est toujours marrant, mais vous la verrez pas. Bien évidemment, bah oui. Par contre, la grand-mère a disparu. Où est-ce qu'elle est? C'est elle que je vois là-bas? Oui, c'est elle. Hein, je connaissant sa façon de marcher. Je sais pas si vous allez la voir parce qu'elle est vraiment loin là. Mais, en gros. Ah ouais, putain, je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit pas. Elle est devant un car, mais devant les cars, on voit rien. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit. Attends, je regarde. Ouais, elle est cachée derrière des plantes. Ah ah, tu caches bien ton jeu, la grand-mère, hein. Elle est cachée. Regarde, on la voit. Ah ah, elle se cache derrière cette voiture. Montrez-vous. Non, c'est pas elle. Elle est là. Ah ah. Et ouais, elle marche. Regardez, elle est là. Tididididu. Oh mon dieu. La grand-mère. Qui se balade. Regardez, c'est notre future présidente de la République. Elle fait quoi? Elle fait wok. Non, c'est de la merde. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la gare? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a encore des gares qui passent, mais wesh. Et l'abîme m'a mis disparu. Les cheveux au vent. Je vois de là, elle a les cheveux au vent. Elle va faire bonjour, messieurs, dames, bonjour. Vous savez que c'est pour les militaires ici ou? Non. Oh là, il y a des tracteurs qui passent. Ouais. La zone. Je disais quoi déjà tout à l'heure? L'épisode 9 sera plus court que le 8. Eh ben, pas du tout. Il est déjà plus long, là. Donc, Alors? Du coup? Il n'y a rien d'écrit nulle part, c'est on pas sait pas où qu'est-ce qu'ils mettent les bus. Il y a plein de bus déjà. Hein. Bah oui, mais c'est les écoliers. On ne sait pas lequel on prend. Est-ce qu'il va venir nous chercher là à la gare? Normalement, il va venir devant. Non, mais tous les gens qu'il y a dans la gare, là, je pense que c'est pour pareil que moi, donc les militaires. Comment c'est la journée de la paix. Je vais lui demander. Bah, tu sais quoi, tu vas demander à l'un d'entre eux, vous venez pourquoi ici? Je vais demander à la caisse. Bah, écoute. Donc là, elle va rentrer dans la gare et demander à tous les jeunes qu'il y a dans la gare s'ils viennent pour faire la même chose que moi. Ouais. Non, parce que c'est pas encore l'heure. Et comme on fait les coins avec la grand-mère, bon, on reste là. Voilà, ma gueule, tranquille. Attendez, je vais couper 2 secondes. Je vais voir l'heure qu'il est. Je viens de regarder l'heure. Il est 57. Dans 3 minutes, les militaires doivent arriver. Donc je pense qu'on va y aller. Et puis voilà, quoi. On va rejoindre la grand-mère qui est entrée dans la gare. Puis on va arrêter cette vidéo. Donc je vous le dis d'avance parce que je vais pas pouvoir faire l'outro alors qu'il y a plein de gens autour de moi, ils vont se dire il est fou ce mec, il parle à son téléphone, lol. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé, vous avez vraiment que ça à faire, bravo. incroyable. On se retrouve très vite pour l'épisode 10. Puis après il y en aura plus, je sais pas quand peut-être. 10, 11, je dis ça, mais ça se trouve il y en aura, ça se trouve il n'y en aura pas. On verra bien. Donc merci de regarder et puis abonnez-vous pour tous ceux qui sont gratuits. C'est pour le lol. La grand-mère. Bon, madame le taxi mamie, il va être l'heure. Il est 59. Faut aller au bus là-bas. Hein? Faut qu'on aille au bus. Bon, j'ai rien compris, du coup, je vais te suivre. T'as pris la clé? Non, attends, je vais la prendre. Hop là, ça y est, j'ai la clé. Ferme.
On va aller du côté des bus. Right. Bah, t'es allé demander ou... Il n'y a personne. Bah non, mais je crois qu'il faut aller dans la gare. Hein. Mamie, maman m'a dit qu'il faut qu'on rentre dans la gare dans tous les cas. Donc, c'est sûr. Oui, bah, on va rentrer. Donc sinon, qu'est-ce que tu as à dire pour dire au revoir aux gens? Au revoir tout le monde et puis nous, on cherche le bus. On cherche le bus. Bon, bah, on y va. Oui, oui, bah, maman nous a dit c'est à l'intérieur de la gare, c'est sûr. Oh, ça décoiffe. Hey, mamie, je deviens comme toi, j'ai plus de cheveux. Bah, viens avec moi. On les salue. Incroyable. Tiens, là, les militaires.